Hi everyone, welcome to my channel. My name is Svetla and I'm super excited to film today another episode of Foreigners in Bulgaria. Today's episode is gonna be in French. So for my non-French speaking audience, there's gonna be subtitles in English and in Bulgarian. So keep watching. Bonjour Mélissa. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va très bien, merci. Encore une fois, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube, dans les séries étrangers en Bulgarie. En fait, ce que je fais, c'est je cherche comme ça des expats qui ont choisi la Bulgarie pour y vivre, et je demande qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ils ont choisi la Bulgarie, et puis qu'est-ce qu'ils aiment ou n'aiment pas. Aujourd'hui, on a Mélissa, elle vient de France. Oui. Alors à l'origine, je suis née en banlieue parisienne. J'ai grandi là-bas, mais ensuite j'ai rapidement bougé donc à 15 ans à Montpellier, donc sud de la France, au bord de la plage et tout ça. Et après, j'ai passé les 11 dernières années en Haute-Savoie, entre la France et la Suisse. Et des origines, oui. Alors je suis italienne, grecque, française et guinéenne de Guinée-Conakry. Oh, ma maman est française guinéenne et mon père il est italien grec. Est-ce que tu te sens d'un pays en particulier ou bien? Ouais, alors, je me sens vraiment française, que ce soit sur la culture ou sur la façon dont j'ai été éduquée ou ma façon de penser. Enfin, ouais. Super. C'est vraiment quelque chose qui te manque de la France maintenant que t'es là. Oui. Oui. La nourriture, alors c'est un peu cliché de dire ça parce que pour les Français on a vraiment tous la meilleure cuisine du monde, etc. machin. Quel genre de nourriture vraiment, d'aliments que tu peux pas vraiment trouver ici par exemple? Bizarrement je dirais pas le vin, parce que le vin, il y a des très bons vins rouges bulgares que j'ai goûté, que j'ai beaucoup apprécié, vraiment. Donc là-dessus non, mais le fromage. Le fromage, c'est une histoire d'amour. Et quel est ton fromage préféré, en ce cas français? Faut choisir. Oh, si tu veux. J'hésite entre le fromage à raclette, particulièrement la raclette fumée, ou le comté. Je voulais demander aussi comment t'es venue ici en fait, comment t'as choisi la Bulgarie, et dans quel sens t'as... En fait, c'est très étrange parce que j'ai pas eu à choisir la Bulgarie, j'ai l'impression que c'est la Bulgarie qui est arrivée. Et t'as choisi, elle t'a. C'est presque ça, parce qu'au final, j'ai un ami qui est parti travailler en Bulgarie, et ça faisait plus d'un an, et demi, même pas mal de temps que j'avais l'idée de changer de pays. Parce que j'ai travaillé en France, j'ai travaillé en Suisse, ok, mais c'était très dur. Et j'avais l'impression d'être un peu bloquée sur place, de ne pas découvrir de nouvelles choses, de... Voilà, il y avait une frustration. Ouais. Et quand il est parti, j'ai regardé, je me suis dit, je suis absolument jalouse, mais au maximum, je veux partir aussi. Ouais. Et avec mon désir profond, c'était vraiment d'aller me challenger, d'aller me mettre peut-être un peu en situation d'inconfort, mais surtout totalement neutre dans le sens où je vais vraiment découvrir et ma personnalité. Donc comment est-ce que je vais réagir et apprendre à me connaître dans cette situation où ici sur place je suis toute seule, je connais personne. Je me rappelle qu'à cette époque-là j'avais un dilemme. C'était soit je partais en Bulgarie et j'essayais pour la première fois de ma vie de travailler dans un call center, soit je restais en France et on me proposait un poste de cuisiniste avec une formation tout frais payée, vraiment un poste en or dans le magasin où j'étais où j'étais au service après-vente. Et j'ai hésité une semaine. Et après, je me suis dit, mais en fait, ça fait tellement longtemps que tu dis, je veux partir. Qu'est-ce que tu veux, en fait? Donc, j'ai choisi le challenge. Si je voulais te demander si tu avais des préjugés avant de venir en Bulgarie, et si ça a changé après maintenant avoir vécu, combien de temps maintenant ça fait? Un an et quelques mois. Un an et demi. Ok. Donc, après un an et demi, est-ce qu'il y a une différence? Moi non. Moi non, parce que j'avais aucune idée. Ok. Vraiment, je me faisais aucune idée et je me disais, je vais voir, justement. Par contre, j'avais une collègue qui avait déjà été en Bulgarie et qui me disait, mais prends le taxi pour aller n'importe où, c'est dangereux quand même. Waouh! Alors, ça, tu vois, par exemple,
pendant moins d'une semaine, je pouvais déjà démentir ça. Ouais. C'est que je me suis jamais sentie autant en sécurité qu'en Bulgarie. Enfin, il faut voir le comportement des hommes et des gens en France pour comprendre. T'es pas du tout en sécurité en France. Les jeunes sont agressifs, les vieux sont stressés. au niveau de la délinquance, c'est une catastrophe. Déjà, le climat général en France est hyper dépressif et pas du tout sécuritaire, déjà. Vraiment, tu te sens pas en sécurité, mais en plus de ça, quand t'es une femme, mais t'étais encore moins en sécurité. Enfin, je veux dire, c'est la France, c'est autant la région parisienne que la Haute-Savoie, que la région du sud de la France, mais le comportement des hommes, c'est une catastrophe. Tu n'es pas en sécurité. Tu ne peux pas faire 100 mètres dans la rue sans avoir reçu 4 réflexions. Moi, je ne suis pas un tableau. Je n'ai pas besoin qu'on commente. Et encore même, je veux dire, même si j'étais un tableau, en fait, finalement, si on ne t'a pas demandé ton opinion, pourquoi est-ce que tu la hurles dans la rue? Et en fait, tu étais vraiment un animal en France. Et ce comportement-là, on pourra me le démentir, me dire que j'exagère, c'est faux. Hein. J'exagère pas. Je veux dire que c'est quotidien, ou c'était comme ça en tout cas pour moi en France, et pour mes copines, pareil, quotidien. Il faut que tu t'habitues à ça. Et je me suis rendu compte que c'était différent ailleurs, et que j'étais beaucoup plus en sécurité ailleurs, en allant un peu plus ailleurs en Suisse, ou alors, quand j'ai été en Italie, il n'y avait pas c'est je te siffle, c'est je t'insulte, ou je commente comme tu es quand tu passes devant moi dans la rue, ou je te suis jusqu'à chez toi. Oh, damn. Depuis que je suis en Bulgarie, il n'y a pas un seul homme qui... Alors, il y a des regards, mais il n'y a pas un homme qui va venir, qui va insister pour me parler, qui va me suivre pendant que je fais mes courses. Il n'y a pas un homme qui va avoir un rire ou un geste déplacé non plus. Ils sont vraiment très respectueux et donc et très courtois aussi, galants. Et en fait, ça fait du bien. En tout cas, moi, je ne me suis jamais sentie autant en sécurité et libre de m'habiller et de me comporter comme j'en ai envie que depuis que je suis en Bulgarie. Vraiment. Ça fait du bien de l'entendre, en fait. Vraiment, vraiment. Ouais. Et je n'ai pas senti non plus cette liberté à ce point-là en Suisse. Parce que c'est très conventionnel, la Suisse. C'est un jugement très discret. Alors, je ne sais pas s'il y a ce côté jugement ici. Je ne l'ai pas senti, en tout cas. Et oui, t'es pas regardée de la même manière. Ouais. Ici, j'ai été beaucoup regardée comme une curiosité, je trouve. Ok. Dans la rue. Peut-être parce que, je ne sais pas, ma couleur de peau ou mon visage. Mais j'ai été pas mal scrutée comme ça. Des fois, il y a des mamans et leurs petites filles qui s'assiedent en face de moi et qui me regardent. Oh. D'accord. Après notre conversation au début, on peut faire un petit jeu. J'ai préparé des cartes dans lesquelles il y a des questions. C'est juste que ça va être, on va tirer au sort et ça sera un peu mélangé au lieu d'être comme un questionnaire, tu vois. Donc, je vais juste les mélanger un petit peu. Mais si c'est la première vidéo que tu fais en français, ça veut dire que tout le monde peut s'apercevoir que tu parles très bien français, du coup. Oh, merci. Donc je mélange les questions. D'accord. Ok, on va voir si... Allez, on y va. Mon meilleur souvenir de la Bulgarie est... C'est... Ah ouais, je sais déjà ce que c'est. C'était un séjour que j'ai fait avec un ami pendant trois jours. C'était sûrement Kostanets. Et en fait, on allait là-bas pour faire des randonnées dans la montagne, sur un chemin qu'on faisait pour découvrir un peu où est-ce qu'on allait marcher. On a rencontré une chienne presque blanche, ça ressemblait à un labrador comme race, et elle avait des yeux, j'ai jamais vu des yeux comme ça, cette là. Elle avait des yeux d'un bleu transparent, mais flash, et elle avait un point pile ici sur le troisième œil. Et en fait, elle s'est prise d'affection pour nous, et elle a marché au début avec nous, puis au bout d'un moment, elle est passée devant nous, et elle s'arrêtait en fait régulièrement, elle nous regardait, elle nous attendait. On a fini par suivre la chienne comme un guide, et elle nous a amené en haut d'une sorte de petite montagne, c'était pas une colline, c'était plus haut que ça, avec une vue incroyable, et elle s'est arrêtée, et elle s'est assise, elle a regardé. À ce moment-là, genre, ça y est, on est arrivé. Oh, wow. Et elle se posait à côté de nous. Et elle mettait la tête comme ça sur nos genoux. C'était juste fou.
quasiment ouais, spirituel en fait. Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est vraiment spirituel ce que tu as en fait vécu, tu as senti. Ouais, vraiment, je pense. Et il y avait comme vraiment une connexion très spéciale avec ce chien, sorti de je ne sais pas où. Et l'ambiance était incroyable parce qu'on avait cette vue qui était magnifique sur la ville et les montagnes autour. Et c'était l'automne, donc toutes les feuilles étaient toutes les couleurs et tous les arbres. C'est juste mon moment pépite. Oh, mais okay. Posé. On va voir si... Si j'étais la mère de Sophia, quelle est la première chose que j'aurais changée? Alors les trottoirs. Je change tous les trottoirs. Il n'y en a pas un que je change pas. Très bonne réponse, moi aussi je suis d'accord. Oui. Non, moi je veux celle-là. Voilà. Très important. Si la Bulgarie était une personne, que dirais-je de lui? La Bulgarie se personnifie. Je lui dirais de partager plus sa culture. D'être plus fière de sa culture et d'en parler plus à l'international. Au final, on ne vous connaît pas bien. Même après un an, moi, j'ai pas encore l'impression de connaître ni la Bulgarie ni les Bulgares. Et je pense justement, même sur le côté ésotérique, que vous avez mais des choses passionnantes. Ah oui, 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 Nathan. Parce que c'est mieux que toi de te le dire. La Bulgarie me donne l'opportunité de vivre avec un niveau de vie acceptable, de ne pas me sentir pauvre tous les jours et tout le temps malgré des heures interminables, et me donne aussi la possibilité du coup d'avoir une vie privée autre que le travail, parce qu'en Bulgarie le travail n'est pas central. Oui, c'est pas tout pour les gens, je vous promets, c'est possible de ne pas vivre pour son travail mais de travailler pour vivre, c'est censé être agréable aussi. En France et en Suisse, c'est dur, le monde du travail, et ça te bouffe. Ici, le travail ne te bouffe pas. Donc, et le niveau de vie, voilà, ça me donne l'opportunité d'avoir une vie privée, d'avoir des loisirs si j'en ai envie. Ouais. Une autre question. La plus grande difficulté de ma vie en Bulgarie, c'est... C'est ça, très intéressant, parce que ça c'était... Maintenant c'est le contraire, la question contraire de ce qu'on a juste... C'est la solitude, parce que de par ma nature, donc j'ai dû aller à l'encontre de ma nature réservée pour rencontrer des gens. Non, parce que rencontrer des gens demande un effort quand t'as pas déjà un cercle. Ouais. Et rencontrer des gens quand tu n'es pas super anglophone, dans un pays dont tu ne parles pas la langue à part quelques formules, ouais, c'est peut-être la difficulté que j'ai, ouais. Moi, personnellement. Mais c'est vraiment personnel, parce que je pense que quelqu'un de plus extraverti va facilement se faire un cercle de connaissances et le garder. Ce qui n'a pas été mon cas. Une autre, on va voir si on a qui sonne. Ma place préférée en Bulgarie, c'est les montagnes. Les montagnes en Bulgarie, c'est juste génial, c'est accessible. Café. Caché dans un appartement, dans un immeuble, ça s'appelle The Apartment. Ah oui, oui, je connais, oui. J'ai été en fait. Et ça, c'est mon café préféré à Sofia. En fait, chaque pièce a un thème différent, c'est très cosy, et tu te sens vraiment dans un appartement où tu découvres plein de pièces, des petits détails à gauche, à droite. On voit qu'ils ont fait, je pense en tout cas, avec de la récup, et tout est fait maison, et j'aime beaucoup cet endroit. Et puis, t'es bien, en plus, t'es bien accueilli là-bas, l'ambiance est vraiment chill. C'est pas bondé de monde, c'est vraiment très agréable. Encore un, le dernier papier. On va voir si on a déjà parlé de ça ou pas. Est-ce que la Bulgarie a sorti une autre partie de moi? Ouais. Mais ça m'a fait ressortir, en tout cas sur le côté professionnel, le fait que voilà, je peux m'en sortir professionnellement n'importe où, et que j'ai des très belles qualités professionnelles pour n'importe où, et que je peux peut-être souffler un petit peu. Ouais. Voilà. Super. Je te remercie beaucoup d'avoir... maintenant essayer le jeu avec les questions. Donc encore une fois, c'est un plaisir pour moi de t'avoir accueilli dans mes séries Foreigners in Bulgaria, étrangers en Bulgarie. Oui, restez connectés pour les prochains épisodes. Et ciao.